Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons encore une fois pour nous rejoindre. Et nous profitons de l'occasion pour nous saluer et remercier chaque grand abonné, chaque grand citoyen qui donne nous l'opportunité pour entrer dans le salon La Caillou pour nous capables de continuer à partager toutes les dernières informations qui dominent l'actualité. Mesdames et messieurs, information qui kembe dans sa gen awe avec question insécurité qui passe suspend dans vallée terrain dans pays d'Haïti, côté bandi continue à frapper, côté la police même li pap dormi, et bien la police là qui a essayé qui bon formule li capable mettre sous pied pour dérouter bandi qui passe suspend et prend espace dans zone métropolitaine nan. Mesdames et messieurs, c'est pas pour me faire que vous sauter, mais il y a à peu près plus que 22 groupes gang qui déjà établi base dans la zone métropolitaine et ça qui pas compté par là-dedans. Et bien, dans le cadre d'opération, la police a terminé à dire bravo à la police. À chaque fois, la police a fait bec si tout dans la zone métropolitaine. Nous connaissons qui gens métropolitaine gêné, qui gens bagaille difficile, bandit sous bandit dans la zone métropolitaine. À chaque fois, la police fait un coup, nous dit bravo à la police. Dans le cadre d'opération, si là que la police attend même, côté la police est arrivée, mettez en bas code, Sori Sédic, Dinel Julien, ak France Jérôme, et bien trois malfrats ça yo, présumé bandit kidnappé, nèg ça yo, depuis yo konon bon ti moyen, nèg yo cherche côté yo ven numéro téléphone nous, et puis relo, bon gros pression pour yo capable prendre l'argent dans le monde. Et c'est le cas de André et Dorelus qui arrivait victime côté nèg sa yo relèm citoyen sa yo mandel à peu près de $500,000 américains. S'il pas bay koblan, eh ben yo tap débarqué la kaili, yo fan sevel li. Ben grâce à Dieu la police a pas tap dormi, la police arrivait tanmen une grosse opération et mettait trois malfrats sa yo en bas code. Toujours dans le cadre d'opération que la police attend même, et bien la police, policier qui affecté sous commissariat Renaissance, et bien capturé machine ça qui dame gade là, et bien que Windsor Nord, citoyen ça, monsieur était volé machine là, et bien côté machine ça qui était parqué dans zone Delma, et bien monsieur était arrivé voler et puis a circulé librement avec machine ça, et bien la police lui-même qui pas dormi, la police arrivait capturer machine ça et mettait malfrats ça en bas code et le pape jamais fait ça encore comme nous connaissons nous justice dans le pays d'Haïti demain si Dieu veut au cas libérer au cas dire pas rien contre citoyen ça. Toujours dans le cadre d'opération que la police attend même dans le cadre bataille gang à gang dans zone métropolitaine dans Tibois Grand Avine village dédié. Eh bien, côté la police est arrivée, font gros coup de filet, gros opération. Eh bien, gagne à peu près 4 gros chefs gang qui tombaient. Eh bien, dans base Nexayo, eh bien, Ti Lapli ak IZO, la police même Nexayo, côté déjà perdu plusieurs soldats et dit bravo à la police. Nous allons inviter pour nous suivre tout détail qui est dans la vidéo ça. Mais bien avant, nous avons demandé ou même qui peut abonner, tant pis s'il vous plaît, abonnez et soyez la fin d'abonner pour activer la cloche de notification. Retirez ce personnalisé. Mettez-le sous tout pour capable de recevoir toutes dernières nouvelles. Dossier insécurité. Le secteur privé est paniqué. Le secteur privé des affaires est paniqué même maintenant tous. Ah oui, avec des quoi? Ah oui, le secteur privé des affaires est paniqué et également divisé sur la question. Avec si c'est bon, on va me répéter bon monsieur. Dossier insécurité, le secteur privé est paniqué et divisé sur la question. Alors, sur la question, sur question insécurité? Sur question insécurité. Ils ont paniqué parce que, ouais, ça passe les 26 ans hier, ça passe dans Badelma, question ouais. Des choucages business. Est-ce que là? Oui, oui. Et, c'est maintenant tout, génération dans le secteur privé à cap un coup, semaine là, c'est génération 40 ans. Donc, c'est des jeunes garçons. La génération montante. La génération montante. Et génération ça, pas rien pour louer la question politique. Ouais. Jure, je crois une génération avant loi qui est impliquée dans la question politique. Quand il y a génération 40 ans ça, il y a camp en face génération avant dans le secteur privé. Et puis il y a 10 messieurs, il pas possible parce que génération 40 ans qui est dans le secteur privé, quand il y a je connais que dans plus d'âmes, c'est monsieur qui est dans la génération avant qui va dans le pays. Aïe, aïe. Je ne sais pas le pays. Bon, répétez pour nous. Bon, répétez pour nous. OK? Le secteur privé des affaires, sur la question de l'insécurité en Haïti, est paniqué et divisé. Ils paniquent parce que ce qui a passé là, comme situation dans Marcus également, dans Badelma, côté que bandits a défouqué business, ça panique. Et il y a des gens de retour, même s'ils n'ont pas défouqué business, personne ne va pas ouvrir. Ouais. Ils ne vont pas ouvrir. D'une manière ou d'une autre, ils prennent coup tout, ils frappent tout. D'une manière ou d'une autre, ils prennent coup tout. Et puis, ils ont pratiquement dans la tête parce que. Les différents camarades, mais il faut mettre le babo à la pointe. Et la génération businessman, la génération secteur privé, c'est la génération qui est garante de dire. Et qui n'est pas d'accord que maintenant toutes, à chaque génération avant dans le secteur privé, à cette politique dans le pays, et génération 40 ans, les pendant question politique, dire que je dis à génération avant ce qu'on a fait. Ils divisent parce que ils n'ont pas d'accord. Parce que yo connais que ces générations avant le secteur privé qui va aujourd'hui à donner des droits pour créer ça gueule là. Et le politique a parlé dans le pays là. Ah bon? Et pour qu'ils soient paniqués tout, blanc, revient la question et va rentrer dans tout. Ah bon? Parce que vous appliquez, États-Unis d'Amérique, ma bonne pour qui raison, États-Unis d'Amérique, pas qu'à quitter Haïti décoller. Mais il y a aucun Haïti, le code. Pour ne pas faire pas. Donc, les constitutions qui vivent dans le pays, je dis, on prend les États-Unis, il faut appeler la paix. Ça qui vient là, tout, il faut moins que lié avec la question de la Russie. Pourquoi est-ce que depuis la Russie fait déclaration, il dit qu'il a aidé Haïti, la question de la gang, les États-Unis commencent à bouger l'école? Ils commencent à bouger l'école. Quand il y a les États-Unis, il y a là. Mais bouger quoi, Loko? Qui ça le fait de concret? Non, attendez, je n'ai pas d'informations pour vous, je ne vais pas vous. Maintenant, bougez quoi là, on voit qu'il y a des nègres qui sont dans le secteur privé, ou des gens qui ont fait des manifestations, et puis les États-Unis disent, écoutez, à partir de aujourd'hui, on ne va pas financer les manifestations encore. Ouais. Ok, il y a des retours, ils ont coupé. Il y a des retours, ils ont menacé, puis ils ont même coupé les résidences, madame la petite qui est là-bas. Ok? Et bien, je dis, dans le secteur des affaires là, les gens paniquent, parce que le blanc va là haut. Question 11 familles que Jovenel Moïse dit pas au courant sur question Zamio. Moi, je dis ça à son maniquette. Ok? Parce que je dis à la, si le président de la République a mis une commission sous pied, et puis commission par un ministre, ok, qui était là, information qu'on a. Ça va gagner. Il va gagner. Est-ce que là? Ça va gagner. C'est une commission présidentielle, c'est le président qui mettait, il s'est arrêté, il monte la commission. Le premier monde là bas rapport, c'est le président. Bien sûr. Ok. Mais maintenant, reconnaît ça qu'on est maintenant tout. Avec moi, il a arrêté là. Parce que il y a des négociations dans le secteur privé. Ok. Il y a des négociations qu'on fait dans le pays, on va pas faire encore. Il y a des négociations paniquées, il y a des négociations divisées sur question de sécurité pratiquement dans le pays. Information. Hier, c'est maintenant tout. La police débarquait dans la boule 12. Il y a 5 bandits qui tombaient dans la boule 12. Ça dit information. Hier, il y a 5 bandits qui tombaient dans la boule 12. Donc la police attaquait bandits la boule 12. Et je dis encore qu'il y a une opération de la police dans la boule 12. Koulia même. Et monsieur paniqué maintenant tout. Maintenant, la question. Est-ce que qu'on y a-t-il Ti Lapli avec IZO pour renforcer la boule 12? Non, assurément. Ok? Parce que même Jean-Chris Labgoumen, alors sous des fronts, Labgoumen en bas, Labgoumen en l'air avec Negio, et bien c'est ce qui est Negio, il y a tout tout. Voilà. Maintenant, on a prétendu pour nous, mais moun la boule 12 commence en figeant et tête faible parce que hier, la police débarquait. Effectivement, il y a 5 bandits qui tombaient dans la boule 12. Il y en a deux, c'est les chefs là, qui ont les combats, donc on attend pour nous, ça a parti aujourd'hui dans le cadre de nouvelles opérations, la police a mené la boule 12 aujourd'hui. Alors, Gonzalo qui dit tout, la police a mené une opération dans Rémi, dans la zone côté 400 Marozo, lui-même tout, il a opéré. Oui, quoi la bouquet? Parce que c'est quoi le problème? C'est quoi le problème entre les morts sans jour avec un certain sévère? Ok? Et un certain sévère. Sévère là, il y a les Sétanais qui est proche Yon-Yon, qui c'est tête et 400 Marozo, qui aujourd'hui a donc qui est en prison. Et donc, son bataille qui pratiquement entre eux, même Jean-Robinson l'a dit tout à l'heure là, son bataille interne. Okay? Et l'homme s'en joue débarqué dans Rémi, et monsieur ramassé moun, et puis il fait ça pour le faire, donc, et puis il installe les bases dans Rémi, et puis il installe les bases dans la cité de Doudoun. Donc, dans le moment là, la police a peine. Mais il faut moins d'autres, quoi, c'est chaque jour. la police est tirée, il y a un nombre de bandits. Ils ne parlent pas parler dans la presse. Ok, dans le Katama aujourd'hui. Et parce que chaque jour, mais et quand là tout, il y a enquête de territoire qu'on a tout. Il y a établi tentacule là sur toute zone pleine, sur toute plaine là, et il y a metté et pied dans chaque zone. Information, Josué, l'Exido. Information permanente à toutes. Information, Esaü César. C'est 22 foyers de gang qui sont dans la capitale la zone, 22. Dans la capitale là seulement? Seulement. Aïe, aïe, aïe. 22 foyers de gang dans la capitale là seulement. Ça nous est Matisse avec Villa de Justice. C'est ça. Non, c'est 22 gangs dans la capitale là, 22. Ça, c'est ça où nous plus connaît. Oui, c'est ça. Mais c'est 22. 22. Ça veut dire que dossier sécurité d'Haïti a son gros dossier lié. Ok? Et, monsieur. La police, dans le moment où on a parlé là, il faut que je dise que les policiers qui étaient dans l'opération pour bouler le barbecue, ils ont tout pas de promotion et puis ils ont et comment ils ont ça. Ça va, reprends encore. Les policiers qui étaient dans l'opération pour bouler le barbecue, ils ont tout pas de promotion et puis ils ont le prime de risque. Dernière information. Tout policier qui était dans l'opération bouler la caille barbecue. Vous songez les deux policiers de Moulamba? Ouais. Tout policier qui est dans l'opération, bouler la caille barbecue, ils vont faire une promotion et puis ils vont faire une prime de risque. Alors, moi, c'est des images tout côté, côté il y a des policiers qui chutent avec Zamnan, mais comme si ils étaient à bout dans la bataille là, bien entendu, la police pas communiqué et c'est même ça eux-mêmes. Et images ça, ils montré. Bah là, alors, Goumé en raid en bas, dans Delma. José Lexidor, information plus raide. Information. La police fait renforcer par des experts. La police fait renforcer par des experts. Non seulement ça. Est-ce que vous connaissez que, quand on est dans tout, 15 blindés Jovenel Moise a acheté l'autre jour là. C'est 2 millions coûté en total. 15 blindés a coûté 2 millions de dollars en total. Vous avez dit ça? Comment blindé? Comment 15 blindés a fait coûter 2 millions de dollars? Il va y blindé même. Mes amis. Ça veut dire que va y blindé même. Parce que 15 blindés a coûté 2 millions de dollars. D'ailleurs, où t'es ouais résultat, le premier test, tu prends la première fois, tu prends. Dans le premier vote bourré? Ouais, dans le premier vote bourré, où t'es ouais résultat. Est-ce qu'on a? Comment 15 blindés qui a fait coûter 2 millions de dollars? Et tu vas blindé même. Pas blindé. Et ne te parle de ça, Louko, ici. Comment faire des matériels pour la police? Ce n'est pas des experts de la PNH qui achètent, ou du moins conseillent, ou du moins font acquisition. C'est des civils. Le palais national qui eux-mêmes fait. Et c'est pour le palais national et le président Jovenel Moïse est mal conseillé dans la question blindée. Parce que comme la fête est bien là, tout le monde connaît l'histoire de l'argent là déjà. Ok? L'argent blindé, 15 blindés, tout le monde connaît l'histoire de l'argent déjà. Information bonne pour la rapide. C'est-à-dire, non, monsieur, qui est 11 dizaines de blindés qui ont sorti Montréal dans le cabinet. Sorti là. Attendez, hein? 11 dizaines de blindés qui ont sorti Montréal. Cette fois, ça est bon bagage. Blindé pour la guerre. Bon bagaille. Avec support américain, mon frère. Bon bagaille. Attendez, quand vous êtes là par avion. Ah, bon bagaille. Donc, ça veut dire, Josué, mes amis, madame, monsieur, vous avez débat, c'est maté débat pour nous entendre, parce que c'est nous qui avons la vérité. Continuez patience. Ok, j'aime te dire le matin débat pendant ce semaine, donc il faut nous faire un petit sacrifice. Ok, parce qu'avec le renforcement de la police, ça a bien là qu'on y a là. Ils vont marcher sur IZO, ils vont marcher sur Grand Ville, et ils vont marcher sur 400 Marozo, ils vont marcher sur toutes les gangs qui sont bâtis dans la capitale. En tout cas, il n'est que d'attendre que les populations vraiment des locaux et pas capables encore. Et ils ont à bout de souffle parce que, écoutez, il y a des gens qui sont dans la rue chaque jour, ils mangent. Et si la bataille la fête, j'en dis, on m'a dit, on prend patience. Et puis, bataille la fête, on libère les pays de Mounsao vraiment qui empêchent les gens de vivre dans le pays. Et je dis à José Lexitop, et bien maintenant, tout ce qu'on concerne avec le national, monsieur qui n'entourage le président Jovenel Moïse, faut-il qu'on soit fait par courant, soit fait par route. Priorité à la sécurité. Ok, reste tranquillité pour président Jovenel Moïse là, faire battre les défis question sécuritaire. Oui, ça c'est son priorité. Attendez, le peuple haïtien aujourd'hui, à un moment dit, combien de peuple bien matin, que peuple haïtien combien de temps sans courant, combien de temps sans route, il va vivre. Il va mourir pour ça, ouais. Ouais. Il va mourir, mais insécurité, même si il y a courant, comment la faire marcher? Non, il n'y a pas de plus gros conseil, non, de cabaye là, et Loukou. Parce que là, parce que dans le moment là, il n'y a pas de courant, on préfère que nous restions dans le blackout, habiter avec elle. Et pour ça, nous arrêter sans courant, vrai, j'en dis, parce qu'il habite avec, il n'y a pas mourir, au lieu qu'il a perdu la vie, et chaque jour, on va couper ça, on dit. Très bien. Donc, faut que vous sous question propagande et route, courant 24 24, faut que vous avez un défi, question insécuritaire. Donc, si je veux nous quitter le pays, ça dit la quitter le pays en fait.